L'objectif de cette vidéo est de réaliser un escalier avec SketchUp. Donc ici on a un escalier dont les marches font 1,50 m par 50 cm de large et qui font 14,3 cm de haut, donc 0,143 m. Donc j'ai 3 marches, ensuite une marche qui tourne et ensuite j'ai 10 marches. Normalement à la fin je serai bien à 2 mètres de haut. Alors c'est parti. Donc, je vais commencer par dessiner une première marche. Donc, elles font 50 par 1,50 m. 0,5, point virgule, 1,5. Ensuite, je vais dupliquer cette marche. Alors, il suffit de prendre l'outil déplacer. Je fais CTRL pour dupliquer. Je la positionne juste après la première et ensuite je fais étoile 9 pour en avoir 9 identiques. Ensuite, je refais la marche qui tourne ici. 1,50 m sur 0,5 m. Même chose, je vais la dupliquer. Alors, je fais CTRL. Cette fois-ci, étoile 2. Ensuite, je vais faire la marche qui tourne avec arc de cercle. Voilà. Et puis, il me reste à monter mes marches de 0,143. Donc, je prends pousser, tirer. 0,143. Alors, quand je double-clique, ça reproduit la même dimension. Celle-ci, je vais la monter à 2 mètres parce que je sais que la dernière marche est à 2 mètres. Alors une fois que ça c'est fait, je vais gommer les traits qui ne me servent pas. Je vais aussi vérifier qu'en dessous, mon escalier est bien plein parce que sinon quand je vais vouloir le tamponner tout à l'heure dans mon terrain, ça ne fonctionnera pas. Voilà, il y a celui-là aussi. Et ensuite, pour en faciliter l'utilisation, je vais transformer cet escalier en composant. Donc je vais faire CTRL A pour tout sélectionner. Bouton droit à créer un composant. Je vais l'appeler escalier. Et puis je vais enregistrer ce fichier également sous le nom escalier. Et voilà.